Vous avez trouvé comment le petit déjeuner ce matin? Oh, il était excellent. Bon, bah, t'es d'accord alors pour le plan? Oui. Bonjour. Bonjour. Elle est bizarre celle-là, on dirait qu'elle danse. Oui. Mais comment on fait pour les affaires, les valises? Oh, ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin des valises et des affaires, vu qu'avec le trésor qu'on va trouver, eh ben, on pourra s'acheter tout ce que l'on veut. Mais alors, mes frères et sœurs, Jérôme, Patricia, Françoise, François, excuse-moi, je Mais ben alors, après le pire, c'est que il a seulement François et Françoise qui sont rappelés. Ah oui? Oui, sérieusement. Je suis contente que l'on se soit rencontrés. Moi aussi. Mais pas possible. Quand ils m'ont dit que j'avais changé de chambre, je suis comme, quoi? J'ai bien payé cette chambre. Ah oui, combien? J'ai payé vers 100 euros. Oui, ça. Là, c'est un peu de l'arnaque. Oui. Et ils me mettent au dernier étage, et là, ils me mettent au avant-dernier étage, et à 53. J'étais à 61, et maintenant, ils me mettent à 53. Ouais, c'est l'arnaque, ils abusent. C'est mais vous faites quoi vous cherchez quoi pour créer bon. On cherche des objets ou des sculptures en fruits dans le sol qui datent de l'Antiquité ou de la préhistoire. Moi, je suis en train de faire plein d'enquêtes. Mais le pire, c'est les meurtres. Ah oui, vous en avez combien environ? Les meurtres que j'ai faits, j'en ai fait au moins 5 hier. Ah oui, quand même, c'est un peu beaucoup. Hier, sérieusement? Oui, juste une journée. J'arrive pas à y aller. Viens vite. On va aller lire au trésor. Bien, on va voler un canot de sauvetage pour aller à l'île au trésor qui est à quelques kilomètres d'ici. D'accord, ne faisons pas de bruit. Oui, chut. Celui-ci me paraît bien. On pourrait le prendre, non? Oui. Ils sont bons, ces cocktails. Vous croyez qu'ils ont mis quoi à l'intérieur? Je sais pas. Peut-être du sucre et des bananes, des pommes. Ah! En y pensant! Comme je vous l'ai dit, je suis détective. Oui, vous me l'avez dit il y a 2 jours environ. Je peux essayer de vous aider. J'ai pas d'enquête pour l'instant. Je peux vous aider. Oh. Je suis libre. Oui. Mademoiselle Guillotine, j'ai besoin de votre aide. Désolée, mademoiselle, mais ce n'est pas moi. Mademoiselle Guillotine est juste devant moi. Mademoiselle Guillotine, mon mari est mort. Je crois qu'il a été assassiné. Aidez-moi. D'accord. Allons voir ça. Allez, viens, William. D'accord. Il est là. Ah, il est bien mort. À vue d'œil, il doit être mort depuis 1 ou 2 heures. Ah, ça sent le mort. Ah, il doit être étranglé. Il a une trace sur son cou. Ah. Et la veine est explosée sur son cou. Je crois pas que vous l'avez remarqué. Bon. Comme ça. Tu penses quoi, William? Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a été étranglé. Ça se voit sur son cou. Madame Félixine. Oui. Vous ne connaissez pas des ennemis? Non. Alors, ça ne me vient pas à l'esprit, mais non. Vous êtes sûre? Ah, si. Peut-être une petite dispute hier avec des voisins. Quels voisins? Les voisins sur le côté. Sur la droite ou la gauche? Allô? C'est qui? C'est Elisabeth, ta sœur. Ah!
Elisabeth, ça va? Oui, et toi? Oui. Ça te dirait d'aller prendre un cocktail maintenant? Ah non, je peux pas, j'ai une enquête. T'as une enquête? Oui. Tu veux que je vienne t'aider? Ah, si tu veux, si ça te fait plaisir. Tu es dans quelle chambre? Ah, je suis dans la 14. Dans la 14? J'arrive. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, merci Elisabeth d'être venue. Peut-être tu y trouveras quelque chose. Oui, bien sûr. Et voilà le mort. Il est sacrément mort. Oui. On essaie de trouver des indices. Il a été étranglé, je suppose. Ouais. Il a même sa veine éclatée. Ah, dégoûtant. Oui, je vois. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Entrez! Je peux vous aider? Mais vous êtes qui? Un officier de marine. D'accord. Ok. Bon, où est-ce qu'elle en est, l'enquête? On ne sait pas, vraiment. On sait juste qu'il a été étranglé. Il devrait y avoir des indices, quand même. Mais qu'est-ce que c'est? C'est terminé cette enquête? Oh, on s'y attendait pas du tout. Ah oui, c'était qui le meurtrier? L'officier de marine. Mais c'était un faux. Il avait une veste de l'aviation. Enfin, bref. Il avait un chapeau de commandant de bateau. Ah oui, quand même, ça c'est très suspect. Et ton enquête sur les bras de la Vénus de Milo? J'ai trouvé beaucoup d'indices et je pense que je les trouverai bientôt. Ceci dit, Edelie va bientôt venir m'aider. Toi, tu prévois tout? Ah, oui, en effet. Mais en anglais.